Salut! Est-ce que le smartphone peut disparaître? Si oui, comment? Et quel produit pourrait bien le remplacer? Cette vidéo peut être perçue comme la suite de ma vidéo « L'avenir du smartphone ». Vidéo dans laquelle j'ai essayé de voir le futur du smartphone, quelle que soit sa taille, sa forme, pliant ou non, holographique, etc. Smartphone dont l'offre a été clairement homogénéisée ces derniers temps. Ici, on va réfléchir à ce qui pourrait le tuer à court, à moyen ou à très long terme. Et si c'est crédible ou non. Première hypothèse un peu bancale, celle des montres connectées avec des écouteurs sans fil. Les montres connectées sont désormais de plus en plus autonomes. Avec des écouteurs sans fil, vous pouvez avoir accès à des informations avec votre voix. Des infos et des fonctionnalités qui seront de plus en plus complètes avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Problème de taille, sans petit écran. Vous ne pouvez pas consulter du contenu confortablement, lire ou regarder des vidéos dessus. C'est clairement pas le but aujourd'hui d'une montre connectée. On peut peut-être imaginer des montres avec de très grands écrans, mais bon, ça restera un smartphone à attaché sur le bras au final. Peut-être la projection d'un écran sur la peau, sur la main, un hologramme au-dessus, pourquoi pas, mais avant qu'un procédé comme ça voie le jour, il y a quand même de la marge. Je pense d'ailleurs qu'une projection par le bracelet de la montre dans le creux de la main serait plutôt fun, mais j'ai quand même du mal à croire que ça pourrait remplacer la sensation de toucher d'un écran. Je ne pense pas qu'on tienne ici notre smartphone killer. Les enceintes connectées commencent peu à peu à se démocratiser. L'intelligence artificielle va probablement envahir notre salon dans les prochaines années. Un véritable assistant de vie qui sera là pour nous lire l'actu, répondre aux mails, envoyer des messages ou les lire et répondre à nos questions. Ça pourrait pour le coup nous pousser à moins utiliser notre smartphone. Mais bon, ce procédé fonctionnerait essentiellement chez nous ou dans notre voiture. À la limite, vous pourriez regarder les vidéos ou consulter le contenu directement sur d'autres types d'écrans. Seul problème, fini le côté personnel et intimiste du smartphone. On pourrait le retrouver avec un ordinateur ou une tablette en annexe, mais il faut reconnaître que l'usage d'un smartphone est quand même plus agréable. Vous pouvez vous installer où et quand vous voulez pour consulter ce que vous voulez dans le silence. Encore une fois, on ne tient pas ici notre tueur de smartphone. Autre solution, il pourrait y avoir des écrans partout. Un écran dans la voiture, plusieurs chez vous, sur votre enceinte connectée, grâce à votre télé intelligente, avec votre tablette perso, votre ordinateur ou votre montre. On pourrait penser que ça pourrait remplacer l'usage du smartphone. Et pourtant, c'est déjà le cas actuellement, on a déjà tous ces écrans et le smartphone est toujours là. En fait, le smartphone reste vraiment un outil central. Attention, ici je vais aller très loin. On va parler un peu des lunettes connectées. Là on touche à quelque chose d'un peu différent et de plus ambitieux. Imaginons des lunettes connectées de réalité augmentée avec un look de lunettes normales que vous porteriez toujours sur votre nez. Des lunettes capables d'afficher des informations dans votre environnement réel. En gros, mettre du virtuel sur du réel de manière ultra réaliste. Une sorte d'amélioration du quotidien. Vous pourriez alors simuler de manière virtuelle n'importe quel écran de n'importe quelle taille pour consulter du contenu, des vidéos ou avoir accès à de l'information. La navigation pourrait alors se faire grâce à des mouvements de vos mains captés directement par les lunettes. Un peu à la Minority Report. Fini la tête penchée sur un écran, ici, vous pourriez rester droit comme un i et regarder autour de vous et interagir avec ce qui se passe autour de vous. Placer des notes virtuelles sur un mur par exemple, c'est un petit peu ce qu'avait proposé Microsoft avec son HoloLens lors de sa présentation. Et avec des écouteurs, l'intelligence artificielle vous apporterait un assistant répondant à toutes vos requêtes. Là on est clairement dans le futur, je vous l'accorde, mais c'est le but de cette vidéo. Avec un tel produit, l'intimité est conservé. Tout ce que vous voyez, vous êtes le seul à pouvoir le voir. Vous pourriez vous constituer tout un écosystème personnel privé. Reste le problème du texte à taper. Et oui, pour plus de discrétion, on n'a pas toujours envie de dicter son texte à voix haute. Avant d'avoir une technologie qui permettra de lire nos pensées, qui vous permettra de demander quelque chose juste dans votre tête, je vous ai dit que ça allait loin. Il faudra bien trouver un autre moyen d'écrire discrètement. Comme il s'agira de réalité augmentée, on pourra toujours simuler un clavier virtuel devant nous, sur une table ou même dans notre main. Et là, on le tient peut-être notre tueur de smartphone. Il y a quand même quelques petits problèmes. Tout d'abord, le côté omniprésent du produit peut effrayer. Bien sûr, vous pourrez toujours retirer vos lunettes et les ranger, mais l'addiction aux écrans pourrait être encore plus importante avec un tel produit. Les retiriez-vous finalement? Autre problème, les gens seront-ils prêts à mettre tout le temps sur leur tête des lunettes connectées à un réseau de type 5G par exemple? Des ondes non-stop sur vos tempes, ça vous dit? Seriez-vous prêt aussi à porter des lunettes tout le temps sans problème de vue? Je sais que c'est un produit qui peut être stylé, c'est aussi un produit de mode, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec des lunettes. Certains vont peut-être être tentés de me dire, mais ça pourrait être des lentilles. Là, pour le coup, ça sera encore plus contraignant. Un smartphone, vous le sortez de votre poche et vous l'utilisez. À la limite, sortir des lunettes
et les utiliser, mais des lentilles. Si on veut aller au bout de cette logique, on peut même imaginer un implant tant qu'on y est. Mais là, ça devient vraiment flippant. En matière de tech, c'est assez compliqué d'imaginer un futur très lointain. Mais on peut déjà se projeter à court et à moyen terme. À court terme d'abord. Je ne peux pas vraiment donner de date parce que ça évolue très vite. Mais je pense que les smartphones ne vont pas disparaître tout de suite. On en a encore pour au moins 10 ans à mon avis. Son usage pourrait se réduire progressivement avec la démocratisation de nouveaux accessoires, remplissant des usages qu'ils remplissaient avant. Les enceintes connectées, assistants en tout genre, l'intelligence artificielle, les montres connectées et même les lunettes AR viendront probablement cannibaliser des usages autrefois réservés aux smartphones. Mais il restera longtemps une interface centrale, l'outil uniformisé central. Quand on y pense, l'ordinateur a beaucoup évolué, mais il n'a toujours pas disparu. Même s'il s'est fait cannibaliser de nombreux usages par le smartphone, il est toujours là. C'est vraiment dans cette direction que se dirigent les grands groupes tech. Fournir toute une panoplie d'outils pour faire un grand ensemble coordonné et synchronisé. Pour nous faciliter la vie en somme, ou pour plus l'envahir. La technologie sera toujours là, mais se fera plus discrète et plus intégrée à notre quotidien. On aura en fait moins le sentiment de l'utiliser. Et à long terme maintenant. Peut-être que les lunettes connectées ayant rejoint le quotidien des gens comme un accessoire AR, prendra de plus en plus de place et finira, lorsque les gens s'y seront habitués, par remplacer le smartphone. Mais à mon avis, on a quand même de la marge. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le smartphone peut laisser sa place à quelque chose ou qu'il sera toujours présent? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et partagez-la autour de vous, ça m'aidera beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !